Ah, je passe là. Il fait 103 top. Mais pour vous, il fallait au moins ça. Ah, c'est gentil, ça. Ça, c'est gentil. Merci. Voilà. Là, 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 je Ils ont bien joué, les petits, hein. Il a même crié. Il a crié. Oh non, mais écoute, vraiment, c'est plus possible. C'est plus possible. C'est plus possible. C'est vrai, on peut plus t'arrêter. Pourquoi je suis arrêté jusqu'à midi. Georges Prèvre, il appartient à ces chefs français qui, lui aussi, a dû quitter la France pour faire une grande carrière en Allemagne, pour revenir après en plein gloire en France. C'était d'ailleurs aussi le cas de Pierre Boulez, qui a dû aller à Baden-Baden. Aujourd'hui, quand on voit Georges Prêtre diriger à l'Opéra de Paris, le triomphe aussi que l'orchestre lui fait, on oublie souvent qu'il y a un moment qu'on a presque chassé Georges Prêtre de l'Opéra de Paris et qu'il a dû chercher ses chances ailleurs et fait une très grande carrière en Autriche, avec un positionnement à Vienne exceptionnel. C'est Georges Prêtre qui a fait du Wiener Symphoniker un orchestre très, très, très valable. À l'époque, c'était pas tout à fait la même chose. En France, si, j'avais un poste en province. J'étais directeur de musique à Toulouse, directeur à Lille, tout ça. Mais on m'a rien offert. Et j'ai eu la chance de partir à l'étranger. Quand j'ai commencé à quitter Paris, je venais déjà à Vienne, au Wiener Symphoniker. Et puis j'allais un peu partout, à Berlin aussi. Et puis après, j'ai fait l'Amérique, où j'ai dirigé là tous les grands orchestres. Boston, Philadelphia, Chicago, tout ça. Et Cleveland, magnifique aussi. Et puis après, hop, je suis venu à la Scala. J'avais déjà fait l'Italie, mais ils m'ont rappelé du maître pour aller à la Scala. Voilà. Et tout s'est enchaîné après. Mais donc, c'est l'étranger. Après, j'ai été invité au concert avec le Symphoniker. Puis je suis venu au Staatsoper. J'ai eu
plus de presque 40 ans de contact toujours avec Vienne. C'est pour ça que je crois que je les comprends et je comprends la musique viennoise plus facilement parce que je suis resté ici. C'est pour ça que je suis très, très heureux et fier quand on me dit « Vous êtes un peu viennois pour nous ». Ça me flatte, ça me touche. Die Wiener Philharmonik und ich wünschen Ihnen Prosit Maria! Kennen Sie die Trompete? Ist das ist unmöglich zu spielen wie das? Aufstehen, ne? Was? Oder soll nicht vorkommen? Oder hier? Was gab es hier? Oder hier? Oder zumindest aufstehen. Okay? Auf jeden Fall. Was gab es hier? Ich glaube, aufstehen. Oder nach vorne kommen. Ja, ja. Das Konzert war toll. Wunderbar, Souvenir. Ja. Man hat gemerkt, wie triseurös. Sie sind, ja, Sie sind lyrisch, ich bin lyrisch. Ja, also, es war so. Und ein wenig mehr Poesie. Ja. Jetzt bei der Pressekonferenz, es wäre, wenn Sie, zuerst kriegen wir diese goldene Platin-CD. Doppelplatine und Gold. Von der Produktion, ja? Naja, das Konzert, ja. Ah, ja, ja, d'accord. Das wird übermittelt. Ich bin sehr glücklich für die Gold. Ja, Doppelplatine. Oh. Oh, wunderbar. Je vais demander une chose aux journalistes, n'est-ce pas? Souvent, j'ai vu dernièrement Georges Prête, Drei und 80 Jahren, bien sonner. Une phrase de bien sonner, ça dit pam, pam, pam. Je suis prête, naturellement. Mais les cloches, ça ne me va pas toujours. Möchte gerne den Journalisten sagen, immer wieder hört er, also Georges Prêtre ist schon 83 und er ist trotzdem aber noch gut beisammen, aber er sagt, okay, er ist bereit, aber noch läuten die Glocken nicht. Je ne veux pas arrêter beaucoup, donc je vais faire une phrase générale. Souvent, une fois que vous êtes au pupitre, vous avez un regard. Oui, mais non, le danger, ce n'est pas le pupitre pour moi. C'est après et avant.
artiste. Oui, oui. C'est pas abondant. C'est les courants d'air. C'est les courants d'air. Une fois que vous êtes au pupitre, en général... Ben oui, mais c'est là le danger. Ouais. On peut tomber au pupitre comme mes collègues sont tombés quelquefois. Parce que vous sentez plus la fatigue et pas. Il y a un petit problème parce que vous avez demandé à ravancer les cuivres et les clarinettes. Ils me disent on ne peut plus jouer, on n'entend plus rien. Qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, mais alors les cuivres ne sont jamais ensemble parce que c'est... J'ai jamais vu si loin que ça. Écoutez, sur mes comme hier, je me dis on ne joue pas ensemble. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas trouver une autre place? Un peu la conque. Ben oui, j'ai demandé d'avancer tout le monde. Là, je vous ai fait gagner un mètre ici. Très bien. Les trompettes pour le Schubert sont derrière les corps. Ah, demandez aux trompettes qui jouent debout. Les trompettes qui jouent debout le... En coulisses. Faut pas qu'ils jouent assis. Faut qu'ils jouent debout. Très bien. Ah, en coulisses pour le malheur. Oui. D'accord, ok. D'accord. Et puis alors voilà, mais là, je peux pas... Mais c'est bien ça. Aussi là. Alors, qu'est-ce qu'ils étaient... Ben alors, ça va, regardez, écoutez. Qu'est-ce qu'il y a derrière les clarinettes? Bah après, derrière les clarinettes, il y aura un peu de trombone, un peu de trompette. Mais c'est pas les trombones qui peuvent le gêner, quand même. Voilà. Ça y est, ils sont prêts? Général. Non, 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 beaucoup plus jeune. Ah, ya pa 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 pa, champagne. Non. Avancez, ya pa pa pa, ya pa pa pa. On l'a fait ça. Énergie extraordinaire. C'est un sportif. Hein. Oui, c'est un sportif. On peut parler d'un jeune garçon de 25 ans quand même pour ce soir. C'est phénoménal. Ça, on ne peut pas le nier. Hein. C'est très rare. Et on sent qu'il va au concert, pour diriger un concert, ou ses répétitions, il y va aussi comme un pèlerin. Hein. Il donne tout. Il pourrait y aller à genoux pour la partition et pour la musique et pour l'art en général. Il se donne entièrement. Trompe en mesure, un groupe, il y a pas, 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 pas. Il veut qu'on oublie un tout petit peu nos cursus que nous avons eus les uns les autres. Notre instrument. Il veut aussi, que nous soyons des artistes. Et pour lui, la notion d'artiste, c'est une chose fondamentale. Je veux dire, ça peut aller dans le fantasque, ça peut aller dans des coins comme ça. Donc il faut le suivre dans ce... D'ailleurs, quand on ne dirige pas, c'est qu'on fait confiance. Il fait très confiance. Oui, il fait confiance aux musiciens. C'est aussi, j'ai l'impression, les grands chefs, c'est dû aussi à une sagesse, j'ai l'impression. Ils disent, il n'y a plus besoin de battre, ça se fait. Enfin, je pense qu'il y a une évolution qui se fait avec l'âge, au-delà du contexte culturel aussi. Je pense que les deux sont importants. Oui, mais il y a la façon de phraser, quand même. Oui. La façon de phraser, on voit qu'il chante tout. Mais en même temps, chez lui, tout est quand même très visuel. Notre façon de se tenir, d'arrêter, de tenir l'archet, la photo, monter la grosse caisse. Il voit tout. Il voit tout. On voit que l'orchestre, pour lui, c'est visuel parce que c'est du théâtre. Mmh.
regarde les premiers enregistrements, là, une gestique beaucoup plus précise, beaucoup plus dépouillée aussi, quelque part. Et là, on, donc presque 45 ans plus tard, on trouve... C'est même plus une gestique, c'est de la pâte à modeler. C'est, il modèle le son, il vit sa musique, il nous sort tout un Nextdoor studio de comportements faciaux, il mime, c'est un vrai acteur. Quand j'ouvre une partition, je la lis comme je lirais un roman de Balzac ou d'un autre auteur. Et après seulement, je pense au côté technique. Mes programmes, je les revois toujours ici comme si c'était une création, comme si c'était la première fois. Alors, voyez-vous, par exemple, là, je ferai Cavalleria et Payas l'année prochaine. Alors, je revois, je réécoute, parce que quand je regarde une partition comme ça, horizontalement et verticalement, j'entends ce que je lis. Pour les mémoires. Déjà, je remets en mémoire. Mais en même temps que j'entends ce que je lis, je vois la mise en scène. Ou la mise en atmosphère. Mais ça, je vais le reproduire après. Devant mes artistes, ça sera totalement différent, c'est sur le moment. L'instinct va venir. Mais j'obtiendrai quand même ce que j'ai souhaité ici à ma table. Vous voyez ce qui est troublant ici, ce petit étang, dont j'ai donné le nom à un artiste que j'ai estimé aimé, Vincent Carayan. Quand je suis là, je ne pense pas à la musique. J'ai envie spécialement de lire ici et de méditer. L'eau. L'eau me fait méditer. Mais pas pour la musique. Pour moi, la musique en général, c'est les arbres. Les arbres, la continuité, la force des arbres. Et les fleurs, ça, c'est la beauté féminine des femmes, voilà. Les petites plaques que j'ai mis. J'ai mis des allées. Maria Callas, c'est la grande allée qui part et qui arrive au château. Francis Poulenc, il met les fleurs. J'ai tout... des plaques souvenirs qui sont gravées dans mon cœur. Allô ? Allô ? Mais non, madame, nous sommes plusieurs sur la ligne. Raccrochez ! Vous êtes avec une abonnée. Mais madame, raccrochez-vous-même. Allô, mademoiselle ? Francis Poulenc désire, on lui demande de faire la voix humaine avec Denise Duval, magnifique interprète de Poulenc. On se rencontre à l'Opéra Comique avec Poulenc.
On se voit, le regard, on parle pas musique, c'est fait. C'est étrange, ça. Vous voulez l'expliquer? Moi, je crois au mystère. Et j'ai eu deux chocs comme ça. L'Opéra de Paris présente à partir de demain soir une très grande reprise, celle de la Norma de Bellini, interprétée par Madame Maria Callas. Georges Prêtre dirige l'orchestre et les chœurs de l'opéra dans cette œuvre, l'une des plus belles de la musique italienne. Tout repose sur le rôle de Norma. Elle demande une grande tragédienne lyrique. En quoi, selon vous, Madame Callas est une grande tragédienne? Yes, non seulement elle chante, elle sent ce qu'elle chante et elle joue ce qu'elle chante. Alors ça, quand même, c'est assez rare. Je ne veux pas faire des torts à Georges Prêtre, ni à moi-même, ni à tous mes collègues. Mais vous savez, Georges Prêtre parle une langue. La langue que je parle, c'est la musique. Et alors, on ne peut pas se tromper. Qui peut faire bien la musique, évidemment, va d'accord. C'est simple comme ça. C'est-à-dire, si on ne peut pas, on ne va pas d'accord. Ça ne s'explique pas. Ça se sent, c'est tout. On parlait avec Maria. Elle avait déjà sa propre idée d'interprétation. Je l'ai simplement conseillé, c'est tout, sur des passages. Et surveillé, si je peux dire. Surveillé pour la langue, pour des pour le détail, pour des virgules, pour des césures, voyez-vous. Pas pour le reste. Puis on a travaillé avec Maria, c'est spécial, elle répétait très peu. Il se passait, entre elle et moi, quelque chose, et l'un influence l'autre à un moment donné, et le contraire. Il n'y a pas une question de tempi, il y a une question d'atmosphère de tempi. Et ça s'échange, vous voyez ce que je veux dire? Un souvenir que j'ai eu avec Maria. Je suis à Hambourg, et il y a une cadence. J'arrête l'orchestre, j'écoute. Maria fait sa cadence, assez longue d'ailleurs. Et j'étais sous le charme. Et je me croyais dans la salle, comme public. Il y a un silence, un autre silence, et j'entends Georges. Georges ! Trois fois. Je suis revenu à la réalité et j'ai recommencé. J'étais sous le charme, j'avais oublié que j'étais chef d'orchestre. Mais Maria me disait une chose que j'ai toujours faite d'ailleurs. Georges, quand tu as une idée, elle me l'a dit, mais je le faisais déjà un peu. Puis après, je l'ai fait beaucoup. Quand tu as une idée d'interprétation, que tu as bien réfléchi, va jusqu'au bout. Parce que si tu te trompes, toi, tu vas le sentir. Personne, tu n'es pas un critique, personne ne peut te conseiller là-dessus. Tu vas le sentir, tu peux toujours revenir en arrière. Mais si tu ne vas pas au fond de ta pensée, tu vas le regretter toute ta vie. Elle a raison. Thank you.
Guten Abend. Dirigent Schlüssel, bitte. Kleine. Der Georges Prêtre, kennen Sie sicher, der Dirigent. Kommt um 6:30. Sind Sie da um 6:30? Bin ich da, ja. Ja, der kommt. 18:30. 18:30. Und trifft Roberto Alagna hierher. Das wissen Sie sicher, oder? Genau. Genau. Dass er reinkommen darf. Ja, danke schön. Georges Prêtre a été pour moi toujours quelqu'un qui est une référence, un exemple. Quand je suis en répétition, quelquefois, où j'ai des moments où je me dis, mais là, est-ce que je suis en train de les ennuyer? Est-ce que je suis en train de... Est-ce que je vais pas trop loin? J'ai toujours cette petite voix de Prêtre qui me revient et où j'entends, allez, au contraire, allez, au contraire. La première fois que je l'ai vu, Prêtre m'a dit, Bertrand, c'est quoi, là, ces trois notes, là, papa, papa? C'était pas la cinquième de Beethoven, c'était un accompagnement dans les Pêcheurs de Perles. Et moi, je la regarde, comme la bouche bée, je lui dis, qu'est-ce qu'il me veut? Je commence à transpirer, je dis, mon Dieu, la première chose qu'il me demande, je sais même pas de quoi il veut parler, j'ai vraiment l'air idiot. Il me dit, mais c'est quoi, ça? C'était l'air de Nadir. Ben, je lui dis, bah, c'est Rémi Fassol. Oui, mais c'est quoi, ça, Rémi Fassol? C'est trois fois le même rythme, là. Je lui dis, oui, c'est quoi? Il me dit, bah, c'est récitatif. Et j'y ai pensé pendant 15 ans, j'ai compris. J'espère, j'ai commencé à comprendre 15 ans plus tard. Et je sais que j'en ai parlé avec Roberto Alagna une fois qui venait de faire le Requiem de Verdi avec lui. Et Roberto me téléphone, il me dit, je suis en train de travailler avec Prêtre, c'est quand même fantastique. Parce que moi, je lui ai toujours dit, Roberto, essaye de travailler avec lui parce qu'il t'apportera des choses que personne ne pourra t'apporter comme chanteur. Et je lui dis, t'as parlé du récitatif? Il me dit, oui, qu'est-ce que ça veut dire? Je lui dis, mais écoute, t'as encore 10 ans pour comprendre. Donc, il a des choses comme ça qu'il nous apporte. Et c'est exactement comme le musicien. Qu'est-ce qu'il a fait là? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Et moi, il m'a dit, mais qu'est-ce qu'il voulait me dire là? Bon, alors, comment ça va? Ben, ça va bien. Alors, comment ça va? Oui, c'est impeccable. Ah. Un petit peu à la française. Très bien, c'est bien, ah, ça. C'est bien. C'est bien. Voilà. C'est bien. Voilà, en tout cas, ça me fait plaisir. Qu'est-ce que tu répètes là? Je fais tout un programme live, avec tes petits-enfants, tout ça. Ouais, c'est bien, bon, on est en train de faire les répétitions de Faust. Oh, c'est bien. T'en as fait des choses ici, non? Beaucoup, hein? Ma face, surtout après. Non, parce qu'après, je me suis fâché avec mon élève Karian. Ah! Je crois qu'il avait besoin, à un moment donné, quelqu'un qui parle normalement, pour lui dire. Ouais, ouais, voilà. Vous êtes le plus grand, vous êtes même sans bras, même sans tête, vous êtes le meilleur. Ah, ben voilà, c'est là. C'est vrai, Tosca, qu'est-ce que j'ai dû faire? Ah, c'est beau, Tosca. Déjà, à Marseille, c'était du répertoire quand j'étais jeune chef. Bah oui, oui. C'est une belle partition, ça? C'est la mienne. Ah, d'accord. C'est moi qui fais la commedia finita. La commedia? La commedia. La commedia! È stupenda. Bah! Ça, c'est la bohème. Non, je sais pas si j'attends. Il faut faire le petit roulement de tambour, là. Non, ben, il y en a. Oui. S'il y en a pas, on va le mettre. Parce qu'après, il y a... À cause de la ça. La commedia est finita. Ta ta papa. Ah non, c'est pas bien, ça. C'est pas papa. C'est pas ça, c'est comment? C'est pas papa. C'est pas papa. Papa. Non, on y reste. Ah bah oui. On y reste. On respire bien. Et très long. Ah, t'as des tripes. Papa. Et après, un petit rien de plus, un petit rien de moins, c'est pas bon. Voilà. C'est du théâtre tout le temps. C'est ça que j'aime avec Georges Prêtre. Il y a vraiment des coups de foudre. C'est vraiment des coups de foudre comme on peut avoir un coup de foudre en amour, etc. C'est la même chose sur le côté artistique. Il y a des coups de foudre. Moi, je sais pas. Quand je suis avec Georges, je suis bien. Oh, je m'en souviens. On devait aller à Londres faire un de ses premiers disques. Et puis on dit, bon, on va pas répéter à Londres. Et j'avais trouvé un slogan. Je dis, c'est mon premier disque. Ouais. Et vous voulez qui comme chef? Moi? Et Georges Prêtre. Il me dit, mais pourquoi? Parce que je voudrais qu'on fasse un slogan sur le disque. Georges Prêtre, de la calasse à Roberto Alagna. Je lui ai indiqué, au point de vue d'une certaine liberté de phrasé, que souvent on n'ose pas. Il y a toujours ce petit roubateau qui fait que tout d'un coup, ça respire. Voilà. Et ça, c'est Georges Prêtre. Mais l'artiste apporte aussi. Le grand génie, c'est quand on ne peut pas expliquer qui est avec l'autre, qui donne la priorité à un moment donné. Et avec les grands artistes, on peut pas... Moi-même, par exemple, je peux dire les noms, avec Maria, avec Madame Tebaldi, et une autre artiste. J'ai fait Tosca, trois Tosca différentes. Bon,
Naturellement, j'ai ma conception de préparer un air, de préparer l'atmosphère de ça. Mais à un moment donné, je peux dire que je n'ai jamais eu le même tempi avec chaque artiste, parce que je sentais ce qu'elle pouvait faire pour le mettre en valeur, pour la respiration aussi. Quelquefois, il lui fallait, une artiste pouvait se permettre d'avoir ce que je souhaitais, une respiration assez longue, une autre moins. Je ne la brisais pas. J'allais avec elle dans son sens. Bien savoir quel était ce jeune homme, si c'est un grand seigneur, et comment il se nomme. Voilà, c'est possible, il y a encore des phares. Si c'est un grand seigneur, più legato. Si, ah, c'est, si un c'est un grand seigneur. C'est sa cause. Et comment il se nomme. Et dopo, oui, oui, l'aria, comme j'aime. Oui, oui. J'aime les voix. D'ailleurs, je ne sais pas, je ne vous l'ai pas dit, mais au départ, je ne savais pas que j'allais devenir chef d'orchestre. Au départ, je voulais devenir compositeur. J'ai fait toutes mes classes pour essayer de préparer le prix de Rome. Je pensais à écrire des opéras. Et alors, c'est en allant à l'opéra, où j'avais ma place, je me cachais, j'avais pas d'argent. Étant étudiant, j'allais me cacher derrière trombone avec l'autorisation des musiciens, et souvent du chef, et j'allais écouter les artistes. Voilà. Mon envol s'était fait quand j'ai vu Cuitens. J'y mettre, voilà. Je voudrais vous demander quelque chose. Vous savez, je voudrais être chef d'orchestre, comme on dit, mais je voudrais savoir si j'ai quelque chose, ce don qui ne s'apprend pas. Il me regarde. Ah bon? Ben venez demain, à la fin de la répétition, avec une partition. Mais froid, vous verrez. Bon, le lendemain, je m'amène, au théâtre des Champs-Élysées, il y avait une petite loge sans fenêtre, tout petit, il n'y avait pas de piano. Je m'amène, il dit alors, qu'est-ce que vous avez préparé? J'ai une petite partition, des nocturnes de Debussy. Et je me rappellerai toujours, il n'y a pas de piano. Alors, je chante, sans baguette, hein. Et je chante. Et je modèle les nuages. Donc pas en mesure, je phrase. Au bout de 10 mesures, il m'arrête. Mais comme ça. Mais pourquoi vous permettez, vous, de se phraser? Parce que je sens mettre. Bravo! Vous voyez, c'est un autre à dire, excusez-moi. Bravo, je sens. Mais il ne m'a jamais appris à diriger. On n'apprend pas à diriger. Il n'y a pas de technique. La technique, le professeur, c'est l'orchestre. Parce que l'instrument, c'est un merveilleux matériel humain. Si vous ne les influencez pas, ça ne s'apprend pas, ça. Si vous l'avez en vous. Nach den Neujahrskonzerten, die Sie hier gemacht haben, hier gegenüber mit den
Philharmoniker dachten wir, es wäre schön, wenn Sie wieder zu Neujahrskonzerten mit Beethoven 9. zu uns kommen könnten. Ich wäre für mich, hein? Ja, wir brauchen einen guten Artist. Gute Solist. Genau. Wann? 2009/10. Also das ist Ende des Jahres 2009, am 30. Nächste Jahr? Übernächstes Jahr. Ah, il y a deux concerts. Trois Beethovens. Ah, enfin, danke schön für die Proposition. Ja, also für mais dans deux ans, j'ai peur. Je peux pas le dire maintenant. Ich kann nicht sagen jetzt. Lassen Sie sich ruhig Zeit. Nous avons du temps peut-être de attendre pour votre décision. Meine Frau ist nicht okay. Meine Frau ist, ich arbeite zu viel. Das wäre schade, es wäre wunderschön, wenn es klappen könnte. In drei Jahren ist... Oder in vier Jahren dann. Ja. Noch besser. Für mein Geburtstag. Nein. 90? Oh là là. Voilà, danke schön für kommen. Merci. Oui, demain, je vais commencer la répétition, après, par Rosenkavalier, Richard Strauss et la valse de Ravel. Quand on a une symphonie, ou c'est une œuvre symphonique, comme une pièce de théâtre, il se passe des choses. Je vois la vie de la symphonie, même si elle est personnelle, quelquefois, il ne peut pas diriger de la musique sans voir quelque chose, sans voir un tableau vivant de la partition. Je ne peux pas. Ou alors, en effet, de danse, des choses comme ça, des choses simples. Mais même la danse, même quand je fais ici une valse de Johann Strauss, je vois les jeunes gens danser, parler pendant les mouvements qui sont différents, pendant les silences. Je crois que c'est là que j'ai eu la chance de pouvoir être un interprète. Et c'est un don, je crois que c'est un don supplémentaire pour nous permettre d'interpréter les œuvres des autres. Je l'ai connu comme ça aussi. Là, je l'ai connu. Regardez l'élégance. Hein? Là, je l'ai connu aussi. Et voilà. Je ne sais pas qui a commencé. J'ai dit, je suis pilote, moi. On dit, ah bon? Je dis, attends, je suis un tout petit pilote. J'ai dit, j'ai un moteur. Il dit, moi, j'ai le jet. Alors, je dis, mais maître, on le sait. C'est dans tous les journaux. Alors, j'ai eu l'impression comme deux gamins qui ont... Moi, j'ai plus que toi. Il était passionné, comme moi, d'ailleurs. Mais moi, pas avec les grandes vues qu'il avait. Alors, le jet, et moi, je n'avais pas, naturellement. Et puis, alors, le bateau, j'ai parlé de bateau, mais moi, j'ai un yacht. Il dit, comment ? Ah non, ben, j'ai un bateau de 8 mètres sur 30, mais enfin, j'ai deux moteurs, je veux dire. Il dit, moi, j'ai le voilier. Mais je dis, on le sait maintenant dans tous les journaux. Alors, j'en ai commencé par dire, est-ce que vous barrez toujours ? Alors, on a parlé comme deux sportifs, comme deux amateurs d'avions et de bateaux, comme deux gosses. Et alors, je vous dis, on n'a pas parlé du tout de sa mise en scène de Tosca. Et j'ai dû partir parce qu'il répétait avec la Philharmonie de Berlin. Et ils ont tapé des pieds parce qu'après la pause, ils voulaient recommencer. Alors j'ai été comme ça. Chacun a sa personnalité. Donc, tout le monde est différent. Tous les chefs d'orchestre de talent sont différents. Mais ils sont quand même au service de la musique. Et lui, il était pénétré des musiques. Je ne sais pas, j'avais plus que des signes pour lui. Et il se passait, on est totalement différents comme homme aussi. Hein. Mais je ne sais pas, c'était bien, on était... Je crois que s'il n'était pas parti là-bas, on serait devenu presque, je crois, s'il m'autorise de là-haut, copain.
Tarbe. Einen schönen guten Morgen. Es ist eine große Freude, dass wir auch zum zweiten Großereignis, medialen Großereignis des Jahres, den Maestro hier haben nach dem Neujahrskonzert. Apropos Neujahrskonzert, gestern wurde uns überreicht, wow. Doppelplatin. Wow. Von Ja, mais aber ich muss sagen, danke viel. Das ist ein Cadeau, votre Cadeau, Ihre Cadeau für mich. Ja? Ich vergesse mal, in Paradies, ich gehe mit das. Orden Kavalier. Das. Wir haben drei Themen, hein? Die Oper ist different. Alors, Lompo Lompo, Baron Vino, et Arirarari, Recitativ, nochmal, Tarara, ja, ich liebe sie zu viel, là, et ich liebe dich. Geben Sie mir diesen Kontrast, oder? Ihr habt Zeit. Tirarari-rara, diminuendo. Tirirori. Non. Non. Wirklich, schrabe... Non, schrabe sie nicht. Deutschissimo. Tirarari-rara. Weiblich. Tirirara. Hein? Wie die Themen... Verzeihung, hein? Non! Warten, ein wenig! Sie haben getrunken zu viel! Zu viel! Warten! Eine große Rezitativ von Johann Richard Strauss. Mit Text. Ja, geben Sie mir, schreiben Sie nicht. Tiralilalali, auf die lange Note. Talalali, tiri, wie eine lange Caresse. Noch mehr? Ich viens de faire une répétition de Rosenkavalier, où les cinq premières minutes ont été un chaos total, parce que l'orchestre connaît très bien Rosenkavalier, parce qu'il joue au répertoire au Staatsoper, mais il a fait des choses tellement différentes qu'au début, c'était presque un éclat de rire général, parce que c'était totalement... C'était pas ensemble. Et après 5-10 minutes, il leur a dit, non, je veux pas de répertoire. Répertoire, c'est le système de théâtre sans répétition. Je veux autre chose. Et il leur a fait faire des choses où ils sont tous regardés, mais qu'est-ce que c'est? Mais ils l'ont fait, et c'est convaincant. Et ça, c'est sa grande force. Et si j'ai appris une chose de lui, c'est ça. D'essayer d'oublier... C'est complexe qu'on a comme chef d'orchestre et de dire j'ai une idée et je vais la donner. Erste für Anfang, wie ein Traum, hein? Vor dem Ball Musikverein, vor der jungen Traum, alors der pianissimo. Ich denke, ich sehe der Traum für erste Ball. Voilà, erste Ball. Der zweite. Erste Ball, nachher in Ball. Mit. Das ist der erste Fortissimo. Bam, bam, bam. Wir sind im Musikverein. Aber das geschrieben das. Das ist glücklich. Für Schluss in einer Katastrophe. Der Kontrast. Eine Katastrophe, weil, verstehen Sie, Mädchen ist nicht korrekt, Mann. Ich dis. Ich glaube, es ist da Schmerz, da wir müssen, geben Sie mir das. Niemals Repertoire, sagt er. Ne? Das ist zum Beispiel so ein schöner Satz. Es ist immer, jeden Abend anders, weil es spontan aus der Situation entsteht. Ich kenne ihn vielleicht von dieser Runde her am längsten, weil ich schon am längsten engagiert bin, und zwar 1964.
war ja auch noch Karajan, Direktor an der Oper, und der hat George Prater für Gounods Margarete engagiert, und ich habe diese Produktion mitgemacht. Und ich habe ähnliches Erlebnis gehabt, wirklich nämlich Musik zu machen, nie irgendwie ein Repertoire zu spielen, sondern es jede Phrase mit einem gewissen Ausdruck und persönlicher Natur und natürlich mit sehr viel Charme, Erotik auch, eben zu spielen, nicht? Und das ist, glaube ich, genau, was du sagst, dass man einfach sich von den eingefahrenen Gewohnheiten löst und sich traut, wirklich zu spielen mit den Noten. Er ist jemand, der so das Unausgesprochene in der Musik fordert, dass man bei, oder das Unaussprechbare fordert, dass man natürlich immer an einer Grenze ständig geht, nämlich gerade diese vielen Zwischentöne der Seele, die bei Musizieren mit ihm freigelegt sind, wie weit das rüberkommt. Geben Sie mir immer, ja, tati, kügig für Anfang, Langeur. Ja, wieder. So, ja, so, da. Voilà, danke schön. Noch nicht! Schwer, eine Musik, war es zu schwer. Ich habe das gespielt, war ich 15 Jahre. Ich erkläre, Scherchen, Hermann Scherchen, ja, dirigiert. Ja, was? Und er? Paris. Paris. Und er hat gesagt, kaputt Monarchie, Donaumonarchie, kaputt
Destruction. Erster Weltkrieg. La guerre. Première guerre. Und mais ich glaube nicht, kaputt. Hat er nicht gesagt, Atmosphäre de la race. Zum Schluss. Nicht ganz zum Schluss. Ja, mais l'atmosphère. Non, mais ça, c'est drame. Ja, mais c'est drame, catastrophe für le Wals, für dans la Menschen, qui va erste Ball. L'atmosphère ja. Ist für Danse. Ja, vielleicht. Oh, mais sie wollen mal faire. Ich muss immer denken. Ja. Kann sein. Naturellement, Ravel, cette Wals für Ballet. Mais il concert, Viraben. Mais possibilité. Ja, verständlich für l'expression théâtrale. Et le ballet, wunderbar, mais les limites. Ja. Les limites. So, le ballet, unmöglich hier. Schön, ich sage. Gut, ja. Ah! Ja. Achtung! Ja, wunderbar, ja. Ok. C'est vrai qu'il fait partie de cette génération qui a une formation de base énorme. Et pour moi, Georges Prêtre, ça représente ça. Une structure, des bases, des pilotis très sûrs, mais au-dessus de ça, il vole. Et on oublie tout complètement cette technique. On oublie toute cette sécurité en dessous, mais on le sent. C'est toute cette génération-là qui avait une relation viscérale avec la musique, qui avait une relation d'urgence. Chaque minute, chaque note est une urgence. C'est-à-dire que quand on voit une répétition de Prêtre ou de ce talent-là, quand il demande quelque chose, quand il répète, il faut y arriver, pas pour que je sois content ou vous, mais parce que le compositeur a écrit ça, c'est urgent de le faire, de le réaliser. Et c'est cette urgence qui est liée à cette espèce de moment unique. Et c'est ce qui fait que chaque concert est unique, parce que chaque concert est une urgence. L'urgence, ça ne veut pas dire la rapidité, mais l'importance du moment. Je prends mon temps. Vous avez vu, je peux rarement attaquer de suite. Je prends mon temps, vous avez raison, je rentre dans une bulle, mais une bulle qui est ouverte hein, quand même. Hein. Et je ne suis plus moi-même. Je ne sais pas, je ne suis plus moi-même. Alors là, c'est là que la croyance, le mystère, je crois que je suis aidé, là. Je ne suis pas seul. Mais artistiquement, thank you.
La semaine prochaine, un événement théâtral passionnant. Heinz Spörli, directeur de ballet de l'Opéra de Zurich, s'empare du mythe de Peer Gynt.